Bonjour, aujourd'hui je suis avec Seb et avec Médoc et Moguri et nous allons partager avec vous nos aventures dans le dernier FF14. Bienvenue dans Extra Life. Thierry, tu parles du dernier FF14. Tout à fait, exactement. C'est un peu bizarre, hein, mais quelque part, c'est pas le premier. Donc du coup, je peux me permettre de dire que c'est le dernier. T'as raison, en fait. Est-ce que c'est complètement correct? Est-ce que c'est une première, ça, quelque part, justement, d'avoir un jeu qui sort, donc FF14 tout court, qui ne marche pas, qui trouve pas son public, qui est blindé de défauts. Donc ça, tu les abordais un petit peu dans la critique, qui a été diffusée dans 100%. Et là, ils sortent une nouvelle version. Donc en gros, ils revoient un peu leur copie. Et là, il semble que ça marche. C'est quand même curieux de prendre genre son premier jeu, dire « Ok, on le met à la poubelle, on le refait. Bah, » Ils n'ont pas mis complètement à la poubelle. Ouais. Je veux dire, ils avaient créé les personnages, mais ils ont revu pas mal de choses du point de vue graphique. Ce qu'il y a par contre, c'est que c'est dans le monde du MMO, effectivement, ce genre d'aveu d'échec et de reprise en main, c'est une première et c'est aussi une surprise. On a vu des MMO qui sortaient et qui étaient une catastrophe et c'est pas la peine. Ok, on passe à autre chose. Là, peut-être que l'investissement avait été suffisamment conséquent aussi pour que Square Enix, du coup, se dise « Non, mais attendez, ok, on a compris, on va reprendre les choses en main, on change complètement l'équipe. Hein. » C'est un désaveu complet de l'équipe. Et ils ont ramené une équipe. Alors, il y a des gens qui avaient bossé sur des anciens FF. Il y a un nouveau directeur, Yoshi quelque chose, je suis désolé. Qui est très fan de Dark Age of Camelot, un MMO sur PC classique, qui explique aussi peut-être les trois factions, les trois grandes villes dans le jeu. Et en tout cas, cette nouvelle équipe semble avoir eu les mains libres pour avancer et faire ce qu'elle voulait. Parce qu'on sent que là, cette nouvelle version, elle est faite avec amour. Bon, si vous avez vu les critiques, je la trouve très bien. Question un petit peu, c'est vrai qu'on a assez peu l'occasion de parler de MMO sur l'antenne de No Life, tout simplement parce qu'il y a beaucoup, ça nécessite un travail énorme, et donc il faudrait qu'on ait des équipes sérieusement plus conséquentes. Alors, mais tant en temps, on a un coup de cœur. Ils font pas trop. Non, mais surtout, on fait. En fait, c'est parce que ça représente. On a une petite surprise qu'on va lancer à un moment donné. Tu t'en rappelles ou pas? Oui, bien sûr, je vois parfaitement. Tu la lances d'ailleurs quand tu veux. Mais oui, non, c'est dangereux. Enfin, vraiment, encore une fois, et je le dis à moitié en rigolant, le MMO, c'est dangereux pour des profils comme les nôtres. Bah, c'est vrai qu'on doit beaucoup jouer, donc du coup, on a plutôt tendance sur le MMO à bloquer sur un titre. Donc du coup, ça nous empêche de voir tous les autres qui sortent durant le mois. Donc on n'a pas la vision globale qui est nécessaire, donc il faut vraiment des équipes spécialisées. Ouais. Alors vous, FF14, vous y avez joué tous les deux. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à tomber dedans un petit peu? À essayer, tu vois. Pourquoi déjà le titre Final Fantasy? Déjà, toi, on voit écrit Final Fantasy, on se dit, ne serait-ce que par conscience professionnelle. Sur le tout premier, du coup. Le premier, j'y avais joué un tout petit peu, moi. Ouais. Mais vraiment un tout petit peu. J'avais très vite abandonné, parce que. C'est même pas parce que j'avais même pas eu le temps de me rendre compte qu'il était pas bon. C'est juste que j'avais personne avec qui jouer à l'époque, tout ça. Donc, un peu triste, une période un peu sombre. J'étais dans le spleen. Donc j'avais joué un tout petit peu, mais après, ce qui m'a donné envie vraiment de jouer au Realm Reborn, c'est vraiment tout. Quand Seb parlait tout à l'heure du fait qu'il a été fait avec amour, c'est un truc qu'on. Enfin, ça donnait cette impression dès le développement, en fait. Quand il y avait des carnets de développeurs, tout ça, des trucs, une communication qui était très, très régulière avec les fans. Donc Yoshida, le nouveau directeur, avait l'air de vraiment savoir ce qu'il faisait. Et ils nous ont eu très vite avec, c'est des trucs fanservice, mais en nous montrant qu'il y avait tel compositeur à la musique, que tu allais pouvoir chevaucher telle monture qui venait de tel FF, que les tenues ultimes de chaque job, c'était les tenues des premiers FF et tout ça. Bon, tout ça, c'est fanservice, mais ça donnait vraiment l'impression qu'il te faisait une sorte de compile de Final Fantasy, un peu tout, dans un MMO comme ça, qui avait l'air d'être fait vraiment avec une bonne idée en tête. C'est-à-dire, on sait qu'on a fait n'importe quoi avec le premier. On reprend
un peu à zéro, et on refait ça bien. Et ils avaient fait ça même dans le scénar, avec le premier, auquel ils avaient apporté une vraie fin, avec une vraie cinématique, qui était super impressionnante, magnifique. Qui donnait vachement... Il y a eu une event de fin de monde dans le FF14, première mouture, en fait, et ça, donc, finalement, qui est la cinématique d'intro de FF14. Alors, de... Qui est une partie de la cinématique d'intro. Et qui a été, ouais, une partie, et qui a été même diffusée dans XP, donc j'ai fait une entorse, mais parce qu'elle était juste magnifique. Enfin, non, je veux dire, il y avait tout, tout était magnifique dans ce truc-là. J'ai dit, ah, vas-y, on le diffuse. Mais effectivement, on parlait de trucs fanservice, là, il y a quelques secondes. Les mecs seraient bêtes de pas profiter de cette fanbase, de cette licence FF, enfin, je veux dire, pour des millions de joueurs, ça veut dire quelque chose. Donc, à l'image, d'ailleurs, de, j'en discutais avec une personne dont on va parler un petit peu plus tard, le premier pal de France, c'est important. À l'image des, de ce qui va bientôt arriver sur Realm Reborn, du donjon de FF3 par exemple, où on va te mettre, voilà, tu vas te taper les boss de FF3. Enfin, il y en a qui peuvent trouver ça dommage d'aller taper dans des trucs que les gens connaissent déjà, d'aller servir et pas te proposer du contenu, quelque chose d'original. Mais en même temps, attends, t'as une fanbase, t'as une licence, t'as un nom, t'as une histoire. Oui, après, faut pas. Mettre aussi des références. Oui, c'est ça, c'est évidemment. Ça reste des références. Dans l'esprit des gens. Et c'est un vrai scénario. Mais original, bon, après, tu peux imaginer qu'ils vont faire. Bon, ben, on va te sortir un donjon optionnel FF4, FF5, FF7. Pourquoi non, on touche pas. Un autre contenu autour. FF7, on touche pas tant qu'on n'a pas fait mieux qu'FF7, enfin, d'après eux. Mais et c'est vrai que Square Enix, du coup, a une vraie richesse en termes de licence. On va voir ça un petit peu tout de suite. On vous a gardé au chaud. Donc, un sujet qui a été tourné au Tokyo Game Show. Donc en fait, c'est le tour du stand Square Enix. C'est Alex qui nous ramène ses images. On va voir tout de suite le sujet. Vous allez voir à l'intérieur du sujet, on va parler de FF14 avec quelques questions posées aux producteurs. Il n'y aura pas que ça. On va faire un petit peu le tour du stand. Donc c'est un petit peu un vol du sujet de XP, mais totalement accepté. Et donc du coup, voilà, petite surprise, petit cadeau. Et on revient juste après sur FF14. On commence le tour du stand avec un remake HD, celui de Final Fantasy X et X2. Vendus séparément en démat ou en compilation dans une boîte, ces deux RPG flamboyants ont non seulement été retravaillés graphiquement, avec notamment une interface plus discrète et mieux intégrée dans une image HD 16:9, mais profiteront également d'un gros travail de fond au niveau sonore, avec plus de 60 thèmes réarrangés pour cette version. On nous promet même une ou deux missions inédites. Pas de date précise annoncée, mais une sortie prévue début 2014. Également proposé en version jouable, Lightning Returns sera le troisième et normalement dernier épisode à prendre place dans l'univers de Final Fantasy XIII. A priori un peu plus orienté action que FF13-2, il devrait aussi remettre au goût du jour le système de combat à base de changement de costume à la volée qui avait été très apprécié dans FF10-2. Un titre qui sera certainement soigneusement décortiqué dans XP en février ou en mars 2014. Présenté uniquement en vidéo, Dragon Dragoon 3 devrait faire parler de lui en début d'année prochaine sous son nom international, Dragon Guard 3. Prévu sur PS3, cet action RPG développé par Access Games alterne les phases de Beat the Mall et les phases de combat aérien, ces dernières étant sans doute les plus fun car on peut prendre le contrôle du dragon pour brûler et aplatir ses adversaires. Les musiques sublimes et les cinématiques remarquablement bien mises en scène font plaisir à voir mais ne dissipent pas une petite inquiétude. Car le cœur du jeu, c'est-à-dire les dogfights de dragons, semble un peu poussif et saccadé. Une grande partie du stand était consacrée à FF14 Realm Reborn, le MMO sorti depuis fin août sur PS3 et PC. Online 専用ですけど、今までのシリーズと変わりなく、最高のグラフィックスと最高のストーリーと、それから最高のゲーム体験を用意して、皆さんのプレイをお待ちしてます。 C'était clairement le jeu du stand qui attirait le plus de monde. Son succès international était en partie responsable de plusieurs problèmes de place sur les serveurs, ce qui empêchait les nouveaux joueurs de créer leur perso et d'accéder au jeu. Dans l'urgence, Square Enix avait même suspendu pendant un temps la vente dématérialisée pour essayer de contenir le rush. Ceux qui venaient essayer le jeu sur le stand se voyaient même offrir un t-shirt avec la mention I Beat Titan, une référence à l'un des boss du jeu. どうしてもやったことのないプレイヤーの皆さんだと難しいとか、例えばそのオンライン専用になると、そのプレイヤーとコミュニケーションを取らないとゲームが進められないんじゃないかっていう不安が意外とまだ効くんですけど、今回のこのファイナルファンタジー14は
Online game 初めての人でもいつもの FF と変わらないようにお話を中心に進められるゲームになっているので、そこは本当世界で見てもあの類を見ないようなゲームになっているので、そこをぜひいつもの FF のつもりで楽しんでもらえるように作ったので、そこをぜひ注目してもらいたいと思います。On termine avec la bonne surprise du stand, Theater Rhythm Final Fantasy Curtain Call. の曲を含んで、全体的には、200曲以上収録される予定で、キャラクターも60人以上、モンスターも40体以上増えてかなり大ボリュームになります。バーサスモードっていう、ユーザーが1対1で戦うモードが追加されたり、あとクエストモードっていう、専用のマップをなんか1マスずつ進めて最終的にボスを目指すっていうようなモードが入ったりしています。Donc, le jeu musical qui avait vraiment fait sensation l'an dernier, puisqu'on pouvait jouer avec la musique de Final Fantasy, c'est trop bien. Donc, Clash on the Big Bridge, donc, on a une équipe donc, qui se bat contre, là c'est un Tomberry, et donc il faut toucher les touches au moment où elles arrivent en fait. Et après, quand on a des touches avec des flèches, il faut faire bouger le stylet dans le sens indiqué par la flèche. Donc, le tout c'est d'avoir le timing parfait. Quand le bouton arrive dans le cercle, le truc bien c'est que c'est une musique de Final Fantasy et que c'est super facile à prendre en main. Donc si vous avez joué au Final Fantasy, ça permet voilà, de s'amuser avec les musiques qu'on connaît. Ça permet de découvrir des musiques qu'on connaît pas aussi et de peut-être d'avoir envie de jouer au jeu. On sait pas. Et pour finir, on laisse le mot de la fin à Monsieur Hashimoto, vice-président de Square Enix, qui nous donne son point de vue sur cette édition du TGS. ニューハードの方のプレゼンテーションを皆さん注目して見てますし、我々開発スタッフも、十分に研究させていただいてます。はい、もう14が無事成功しましたので、次は15に向かって、そしてキングダムハーツ3に向かって頑張ります。でキングダムハーツの 1.5 も発売したばかりですので、よろしくお願いします。Voilà, on revient sur Paris après ce petit tour par Tokyo et on va réaborder une nouvelle fois vos expériences personnelles dans FF14. Alors, lorsque vous avez commencé la partie, est-ce que vous aviez déjà une idée du personnage que vous souhaitiez jouer ? Et est-ce que la phase de création de personnage vous a fait changer d'avis pour des raisons peut-être tout simplement cosmétiques ou autres ? Ou sur des... Oui, bien, sur... sûr, ouais. bien sûr. Enfin, alors, l'apparence du personnage dans le MMO, c'est la stat la plus importante, bah, je pense qu'on est tous d'accord. C'est le paramètre. Mais donc, vous, il me semble que vous jouez la même race, hein, c'est ça ? Je crois, ouais. Je crois, oui. En fait, s'il se peut qu'on ait choisi la bonne race, et toi... non, mais clairement. Dans FF14, t'as plusieurs races, t'as les humains assimilés, les yurts, les hélènes, les elfes-like de la forêt, tu as les gros costauds, les regadines. Alors, t'as les hommes et filles chats, ouais. qui sont une espèce de ouais, qui sont souples. Disons que en gros, ça représente la moitié du population, je pense, ouais. des serveurs Thierry. D'accord. Okay. Les filles chats, enfin. Oui, dire, bah ouais. c'est oui, oui. Mais d'ailleurs, il me semble, parce que toutes ces races sont issues de FF11, en fait, ouais. dans lesquelles elles avaient ouais. d'autres noms. Mmh. Et si je me plante pas, dans FF11. L'équivalent des micotes n'était que féminin. Je crois que tu ne pouvais pas avoir d'homme-chat dans FF11. Ouais, donc c'était on atteint la parité, même, c'est bien. C'était l'essence bien. Même du personnage dès le départ, c'est-à-dire ouais. vous allez avoir vos filles chats. D'accord. Et là, ils ont rajouté les... Bon, et donc, enfin, du coup, vous jouez des jeux, filles ou des hommes-chats. Non, ou, alors non. Ce qui reste aussi la plus ouais. importante, finalement, là, c'est l'Alafel. L'Alafel, les petits... Les petits... Oui, d'accord. Petit par la taille, mais grand par le courage. Non, mais ce qui est drôle, ben non, mais moi je joue un micote masculin. Ouais. Donc parce que un homme chat, voilà, mais j'étais pas du tout dans ce délire de Neko et compagnie. Ouais. C'est simplement parce que voilà, il y a une belle gueule. Il avait une jolie queue, j'ai fait une queue de lion. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai passé du temps oui, sur ma petite queue. Tu peux changer voilà. plusieurs. Oui, c'est ouais, vrai. T'as plusieurs styles de queue. Bon, ouais. moi, c'est une queue de lion. D'accord. Voilà. Quand il s'assoit, alors qu'il n'y a pas de chaise, il s'assoit avec les. Comme un félin. Ça t'a plu, le. Ah, ben bah, non, mais je, non, moi, j'aime bien quand il y a une cohérence. Quand il y a une cohérence dans les emotes de tes personnages, moi, j'aime bien.
Et puis parce que en fait, je voulais, je joue un archer moi en fait à la base. Enfin, je voulais faire de l'arc et donc je voulais de la dext. Et je me suis dit, bah, ce qui colle le mieux avec quelque chose, c'est un chat. Un chat, ouais. C'était très roleplay, il faut le dire. Oui, je suis très. Bah ouais, alors attention, quand on joue, c'est roleplay. C'est messire. Quel... Bien le bonsoir. Oui, voilà. Ouais, ouais, d'accord. Attention. Un certain niveau d'expression. Donc, tu es parti. Toi, tu es parti sur Archer. Archer. Tom Oguri. Je suis parti sur Dragon. Enfin, L'ancien, Maître d'Ast. Ouais, Maître d'Ast qui devient Dragon après. Mais c'est uniquement parce que je trouve qu'un petit Lalafell avec une armure de dragon, c'est trop classe. Ah. Qu'est-ce qui vous a plu immédiatement en commençant à jouer donc à FF14, à Rim Reborn? C'est, bah, qu'est-ce qui vous a, qui a fait que vous avez accroché, truc, que vous avez décidé de continuer? Visuellement, t'es, je crois que tu es content, hein, même sur PS3. Hein, j'imagine que sur PC en ultra et que truc et tout, ça t'éclate la gueule si tu arrives à le faire tourner. Mais rien que sur PS3, moi je trouve ça tout à fait agréable. Ok, donc visuellement ça tient la route. Ouais, et au niveau du gameplay, il y a une bonne gestion de la lumière. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est ça. Quand tu es en plein soleil, tu as les effets atmosphériques qui sont assez réussis. Okay. Quand tu es en plein soleil, tu vois effectivement la roche qui est vraiment éclatante. Quand tu es sous la pluie, c'est bien rendu. Alors un truc que j'apprécie, tous les MMO un peu d'antan, comment dire. Dès que c'était la nuit, bah, tu voyais vraiment que dalle. Et ça, c'était chiant, parce que la nuit, c'est à peu près la moitié de la journée. Hein. À moins qu'on triche dans les jeux, il y en a qui trichent. Oui. Et donc, c'est embêtant pour se retrouver, se repérer. D'accord. Donc là, la nuit, tu vois quand même, tu peux te repérer, c'est juste très sombre. Okay. Ça, c'est bien. Le gameplay. Ouais. Qu'est-ce qui vous a accroché en termes de gameplay, par exemple, sur le système de combat? Est-ce qu'il y a ça se distingue en quoi des jeux solo de la série FF? Est-ce que c'est la dimension réellement raid, le fait de pouvoir vraiment avoir plusieurs compétences dans son équipe et que ces compétences soient pas contrôlées par une seule personne, mais vraiment chacun sa personnalité, à ses sorts, à son propre développement. Ça, finalement, tu réalises toute l'ampleur de ça assez tard dans le jeu, finalement. Ouais. Parce que ton premier donjon, donc c'est dans les donjons que tu vas voir vraiment, c'est là que tu te regroupes vraiment entre joueurs et qu'il faut forcément que les rôles soient attribués. Ton premier donjon intervient aux alentours du niveau, au niveau 15, c'est ça. Donc en fait, t'as une histoire personnelle qui t'emmène jusqu'au niveau maximum, ouais, qui t'oblige à passer par les donjons pour avancer l'histoire. Il y a des donjons qui sont optionnels, il y a des gros combats contre les primordiaux notamment. Donc on voyait Ifrit dans la critique. Cool. Ifrit, bien connu des services Final Fantasy. Donc il faut t'es obligé, effectivement, t'as la partie MMO, t'es obligé de pas être tout seul dans ton coin, mais te regrouper pour avancer dans l'aventure. Ouais, mais ça, tu le vois pas dès le début quand même. D'autant que les premiers donjons sont à 4, ce qui est pas le... Un truc qui est bien dans le jeu, c'est que il y a tous les éléments pour bien t'apprendre à jouer à un MMO. Ouais. Alors c'est souvent optionnel, mais t'as des mandats de guilde, des trucs qui t'apprennent les bases de rester à distance des monstres pour qu'ils t'appuient pas dessus quand t'es à distance, truc de base. Enfin. Mais j'ai pas vu le terme bien. Kite, par contre. Oui, bah, alors que moi je kite comme un bâtard, si je peux. Si tu puis t'exprimer ainsi. M'exprimer ainsi. J'ai kite Thierry dans un MMO ou même dans un jeu classique. C'est quand tu joues un Amcha ou. Non. Kite, c'est un cerf-volant. Comme le cerf-volant. Ouais. En fait, c'est tenir le monstre à distance, généralement en le ralentissant. Et quand toi tu peux tirer à distance, donc il est ralenti ou toi tu vas plus vite, donc tu t'écartes, tu tires. Et s'il s'approche, tu t'écartes, d'accord, tu tires, okay, et tu fais des cercles. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'avec le... Non, c'est pas du tout une technique de guérilla ancestrale. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'archer... Ouais, non, mais c'est ça. Avec l'archer ou le barde plus tard, donc tu utilises l'arc. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu peux balancer tes compétences en mouvement. Ouais. Contrairement à ceux qui balancent des sorts, là. Voilà, bon, bah, dès que tu bouges, t'as annulé. Attends deux secondes, je dois poser les sorts, concentré. Alors que moi, je tourne. Ifrit, il avait mal au crâne. Il me l'a dit après, franchement, mais non. Oui, donc, t'as une structure d'aventure avec une épopée personnelle. T'as une histoire donc, qui tourne autour des cristaux, de la sauvegarde de la planète, donc du monde qui a été. Marqué par cette fin de la première version du jeu, des méchants, un empire. On est dans FF, Thierry. Ouais, il y a Empire, Chocobo, Airship, il y a tout ça. Mais rien que dans le scénario, c'est très référencé aux anciens FF. Tu le sens vraiment, quoi. L'Empire fait penser
à la fois aux empires des premiers FF, comme tu as pu les voir dans le 1 ou le 2 ou le 3. Mm-hmm. Le 4 aussi. Et là, 12, ils ont des styles et de voilà, juge. Oui, ils ont des, esthétiquement, ils ressemblent énormément aux juges d'FF 12. Et quand tu es un joueur de FF, tu es pris par surprise parce que tu n'as plus l'habitude quand on te rappelle ces trucs-là. Au tu bon dis. On a oublié t'es là. Tu t'attends à un truc un peu bizarre. Et puis d'un coup, c'est les vrais trucs. Et là, tu dis, oh, oh. Hey. Sachant que les personnes qui avaient joué au premier FF14 ont droit à quelques scènes bonus, je crois, ou à certains PNJ qui ne réagissent pas exactement de la même manière. Des objets à conserver. Voilà, ouais, c'est ça. Donc bon, c'est une petite attention qui est... Bon, c'est bien. C'est bien. Quel est votre souvenir le plus fort jusqu'à maintenant dans vos parties respective. Est-ce qu'il y a un moment donné une anecdote que vous pouvez partager un petit peu avec les téléspectateurs? Moi, ce que je peux te dire, donc un truc cool ou un truc marquant ou une grosse lose, enfin un truc. Moi, c'est une lose. Vas-y. Non, en jouant sur PC, genre chaque fois que je joue, grosso modo, je me dis au moins une fois dans la session, ah mais qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Il y a des environnements, des trucs comme ça. Un moment sympa, c'est la première fois où tu peux accéder au dirigeable. Parce que t'as une belle musique. Les musiques sont très très belles dans ce jeu. Tu parlais à Muguri des compositeurs qu'ils ont rappelés pour le titre. Ils ont respecté plein de trucs. Et ouais, ça se sent. Là, tu dis, ça y est, c'est l'aventure. Je vis un truc bien. Tom et ou Muguri. Ouais, alors en moment sympa, c'est la première fois que tu peux avoir ton propre chocobo. C'est toujours sympa. Bon, voilà, c'est le truc que t'attends. Ça intervient au niveau 20, si je me trompe. Tu l'as nommé comment ton chocobo? Je l'ai nommé Linus. Linus. Voilà, ouais. D'accord, c'est mignon. Bah, c'est Peanuts, quoi. Moi, je reste fidèle à la fin. Charlie Brown. Voilà, tout ça. Et il s'appelle Chocobo Boss. Oui, c'est. Et donc, ça, c'est toujours un moment sympa. En plus, la première fois que tu montes dessus, t'as la musique du Chocobo, évidemment. Ça, t'es content, tu l'as attendu longtemps. Et sinon, en moment plus. Alors, c'était plus sombre aussi. C'était quand on jouait ensemble, on jouait avec Mehdi et Mickey. On s'est retrouvé dans une instance, donc un donjon, ce dont on parlait tout à l'heure, où du coup, nous, on joue à 3 et les instances se font à 4. Donc, il y avait 3 rôles qui étaient remplis, qui étaient donc 2 DPS, c'est-à-dire les personnes qui sont... les jobs qui font des dégâts, qui doivent tuer les monstres, et le healer, c'est-à-dire donc le mage blanc qui soigne. Mickey, donc, qui était healer. Mickey, voilà, c'est ça. Soigneur. Première classe, j'imagine. Oui, ouais, ouais. Et donc, il ne restait que donc, ce qu'on appelle le tank, enfin un principe assez connu, dont le rôle est d'attirer l'agressivité des ennemis, d'énerver les ennemis pour qu'ils le frappent, lui. Parce qu'il y a des gros boucliers, une grosse armure. C'est ça. Et il a des skills, enfin des techniques pour dire aux ennemis, il doit les énerver, je sais pas, mal parler sur leur mère ou un truc comme ça. Voilà. Et donc, cette fonction-là, qui est primordiale, qui est super importante, on n'avait personne à portée de main, donc dans ce cas-là, le jeu te cherche un... D'accord, donc il y a quelqu'un qui... c'est quelqu'un que tu ne connais pas, voilà. Et là, il se trouve que la personne... Bon, c'était un donjon qui arrivait assez tôt dans l'aventure, donc ça allait, mais il se trouve que la personne ne savait pas ce que c'était le métier de son personnage. Donc on se retrouvait dans des situations... où les monstres étaient sur le healer ou sur moi, ça n'a pas de sens. Le mec nous les amenait. Il faisait vraiment n'importe quoi. Et on rageait. On rageait, nous on était sur... On parlait au casque. On avait un petit logiciel où on parlait entre nous. Ouais. Et le pauvre en a pris plein la gueule, mais sans le savoir. Ouais, voilà. Alors que ses parents devaient être complètement respectables, j'imagine. Oui, c'est ça le truc. Et puis peut-être que maintenant, c'était un nouveau joueur, bon, il savait pas comment ça marchait, le pauvre, c'était pas de sa faute. Mais sur le coup, c'est énervant. C'est énervant, le mec va vraiment chercher, déjà, il partait tout seul. C'est l'inverse de ce qu'il était censé Il partait tout seul, déjà, tout seul. Nous, on est là, on dit, attends, vas-y, on joue. On est un pack. Le mec partait tout seul, allait chercher beaucoup d'ennemis, du coup, il se faisait un petit peu redoyer, il courait vers nous, vers le healer pour lui tourner autour. Alors que Seb, tu sais bien, quand tu veux te faire healer, faut pas courir dans tous les sens. Le mec arrive, et puis du coup, le Mickey, bon, il essaye de healer, et puis les monstres, ça fait que... Il y a un mec qui le soigne, donc le monstre, il est pas intelligent, mais il réfléchit un petit peu quand même. Il dit, attends, si j'élimine le soigneur, je retire ce paramètre, et donc ça va me permettre de remplir les autres par la suite.
Et donc Mickey se faisait taper, quoi. Et sachant que le tank ne faisait pas ses fameux skills qui sont censés reprendre l'agressivité des monstres, bon, bah voilà. Ah, c'était Mickey qui se prenait tous les coups. C'était chiant. Mais du coup, c'est marrant. Ouais. On rigolait. Parce que nos insultes, elles étaient drôles à nous. Donc on rigolait. Mais c'était que des insultes entre nous. Jamais on serait permis de l'insulter. Non. Parce qu'il y a des bonnes mœurs, respect, politesse. Et alors, moi, par contre, pour contrebalancer avec ce souvenir un petit peu. Truc pareil, c'était une session avec Kevin et Mickey. On jouait et faut savoir que Mickey, c'était son premier MMO. Oui, donc c'est beau, tu vois. Toi, c'était pas ton premier. Non, moi j'ai fait la quatrième prophétie, j'ai fait Dark Age of Camelot, j'ai traîné sur Ragnarok Online, enfin je connais le principe, tu vois. Mais ça faisait longtemps que moi j'avais pas joué à MMO. Mais Mickey, c'était son premier MMO. Et vu qu'on communiquait avec les casques et tout, à un moment donné, on était arrivé. Alors, je crois que c'est quoi ? Ça doit être Hulda, quelque chose là, je sais pas quoi. On sort dehors, on allait faire une quête, je sais pas quoi, et Mickey s'arrête. Il fait waouh, une tortue géante. Et là, c'était beau. Toi, là, c'était beau. Et le mec est resté comme ça. Attends, je vais la faire la bagarre. Mais le mec était, il était émerveillé. La musique, les images, comme un enfant, les images qui bougent, tout ça, il était content. Il y a des mecs autour de moi, je peux. C'est une personne chez toi. Mais toi aussi, t'es une personne chez toi. Regardez cette candeur, finalement, qu'on a depuis longtemps perdue. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est... Oui, effectivement. Ouais. Et du coup, ça rappelait des bons feelings. C'était cool de jouer avec Mickaël. Parce qu'après, le problème des MMO, Thierry, c'est que, après, tu fais l'aventure. Donc là, il y a une épopée personnelle, tu la suis, c'est bien. Parce que, tu sais, il y a des jeux, il n'y avait rien à faire, tu tapes juste des monstres. Voilà. Donc tu vas jusqu'à niveau maximum, et puis là, tu arrives à ce qu'on appelle le endgame, la fin de jeu. Et la fin de jeu, c'est les raids. Un raid, c'est-à-dire un groupement à pas mal de personnes. Ça dépend des MMO, mais là, dans FF14, je crois qu'on monte à 24. Et tu vas faire des trucs assez difficiles où là, les 24 personnes doivent être coordonnées. Donc déjà, ça veut dire que logistiquement, tu dois avoir 24 personnes qui soient là, par exemple, le soir, aux bonnes heures et tout, qui connaissent, qui savent quoi faire, parce que tu n'as pas réexpliqué 10 000 fois. Mais c'est là que tu en arrives à la discipline du MMO, quoi. C'est-à-dire que ça devient une discipline. Mais c'est le côté qui me branche le moins, moi. Bah, c'est quoi, et qui me fait un peu peur dans ce... Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul. Non, mais rentrer dans les strates un petit peu, c'est drôle, notamment contre le boss, les blobs, là, où il fallait les bombos, là, fallait qu'ils explosent. Ouais, ça c'est drôle. C'est nécessaire et c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Mais après, dans les strates de... Je comprends. Et puis c'est surtout, la discipline, c'est-à-dire le fait de, comme tu disais, devoir être là à une certaine heure, ça devient une contrainte. Mais c'est un engagement et ça peut devenir une pression que t'as pas forcément envie d'avoir. Mais après, tu peux jouer aussi avec des gens agréables. Et effectivement, le fait de faire 24 personnes à coordonner, c'est un sacré challenge. Et quand tout le monde fait bien les trucs qu'il faut, que ça se passe net, sans bavure, qu'il y a peut-être un truc, il y a un lag, peut-être, t'en perds un, tu rattrapes et tout, tu gères des situations inattendues, t'as des vrais moments d'émerveillement et de satisfaction qui sont le vrai sel du truc. Ça donne envie. Et du coup, on va arrêter un petit peu cet extra live, mais juste avant, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux gens qui n'ont pas encore essayé un MMO, qui veulent peut-être donner leur chance à FF14 ou à un autre MMO, en l'occurrence à FF14 plutôt, quel serait votre conseil ? Peut-être un petit truc, une petite astuce, un truc à savoir, un truc à ne pas faire ou à faire ? Il ne faut pas avoir peur. Dans les MMO, la plupart des gens sont vraiment gentils, peuvent aider. Si on demande poliment en s'exprimant correctement, il n'y a pas de problème. On peut tomber sur des gens qui vont... C'est une bonne question, Thierry, parce qu'on est sur des serveurs européens où il y a des gens de toutes les langues qui vont parler parfois dans leur langue. Enfin, bien sûr, après, t'as l'international, c'est l'anglais, on va parler un peu tous anglais quand il le faut. Et le jeu propose une traduction automatique de certains termes. Hérité de FF11 aussi. Ouais, tu peux construire la limite des phrases cohérentes dans l'univers du jeu avec ces options-là. D'accord. Tu appuies sur Tab, sur PC, dans le chat, tu peux dire pour tel machin, je cherche des gens, avez-vous de la place, s'il vous plaît ? D'accord, parce que moi je vois que des initiales, moi. Je vois FTA, DPS. Ouais, mais c'est aussi. En fait, c'est des mots que tu vois encadrés en vert et rouge, il me semble. Enfin, c'est des mots. Ah oui, ok, oui, non, tout à fait, ok, je vois. Et c'est aussi ce qui fait qu'il reste très jouable à la manette.
D'accord. Ouais, alors ça, oui, on n'en a pas parlé, mais du coup, on va pas trop en parler. Mais à la manette, non, franchement, c'est... j'avais peur aussi de ce truc-là, parce que moi, je me dis, attends, MMO, tu fais les macros, tu fais pour communiquer et tout. Bon, par contre, pour communiquer, c'est galère. Oui, mais t'as ça, justement, ce principe-là. Mais t'as ce principe-là, de... les phrases élémentaires, ouais. Tu peux les sortir sans passer par un clavier virtuel qui te prendrait 3 heures. Et puis même, tu peux jouer, ça se joue, t'es pas désavantagé quand t'as une manette. Sur certains points, même au contraire. Okay. Ouais, mais tout ça, ouais, ça vient aussi de FF11 qui à la base avait été développé sur PS2 avant d'être développé sur PC et qui était prévu pour la manette. Il était FF11 pendant longtemps, les joueurs, même sur PC, ils jouaient à la manette. Et donc tout ce savoir-faire, entre guillemets, de maniabilité de manette a été repris. Donc, moi, je voudrais juste dire de ne pas avoir peur. Si vous êtes quelqu'un de sensé, vous pouvez regarder, vous renseigner un peu sur votre classe, sur Internet, éventuellement sur les donjons si vous stressez. Mais les gens, généralement, sont prêts à aider. Il suffit de demander. Et après, je crois qu'il y a une guilde des téléspectateurs de No Life sur Moogle. Si ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir sur le forum. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé un petit peu vos aventures dans FF14 A Realm Reborn. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.